I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Je partais pour dire hi everyone. Non, sérieusement. Bonjour à la maison. Bienvenue au Wrestle Rock Podcast. Je suis Nostradaden et bienvenue à ce spécial Royal Rumble 2024. Je suis en compagnie de monsieur Johnny D. Comment ça va, ma belle grosse tête? Ça va, mais je suis fatigué en sacrifice comme toi aussi. T'es couché tard? Ben, je me suis levé à 5h hier soir. Si au moins tu t'étais couché. C'est ça? Ben non, maudit. Je tapais une nuit. Une lutte rocambolante, que une fin de semaine assez chargée avec le Royal Rumble 2024 qui était rempli d'amour et d'allégresse. Ouais, puis avant de poursuivre, j'aimerais ça souhaiter un joyeux anniversaire à l'acteur américain Tom Selleck. qui a 79 ans, mais c'est quoi qu'il avait dit de l'hydrolite? J'ai un poster de Tom Selleck, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va chier dessus. On va être heureux. Non, mais sérieux, bonne fête à M. Tom Selleck. Yes, M. Ouais. Baseball. Ah, ouais, exactement. Fête 71 ans. 79. OK, 79, OK. Le Royal Rumble, mon Ben. Comment t'as trouvé ça? Ouais, ben, je veux dire, comme bien du monde, là, le Royal Rumble féminin est meilleur que le Royal Rumble masculin. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, si je ne m'abuse... Il y a eu beaucoup plus de surprises lors de l'événement du Royal Rumble féminin qui mettait plusieurs personnes de l'avant. The new era has begun, comme on dit. Des nouvelles faces ont fait surface. Beaucoup de lutteuses de la NXT sont venues se mêler de la carte. Et on a eu aussi l'arrivée de Jade Cargill qui a fait son début, un début assez impressionnant en éliminant nul autre que la femme à battre, comme on dit, et non la femme à barbe. La femme à battre. La femme à battre, la femme à éliminer. La femme à battre. Battre, oui. Que j'ai compris, à battre. Non. La femme à battre. Non, c'est ça. OK, c'est bon. non, mais qu'est-ce que ça? Prononce pas le R, c'est la femme à battre. Nia Jax s'est fait éliminer par nul autre que Jade Cargill. Jade Cargill qui a fait un bon ménage lors de l'événement. Elle a paru bien aussi. Elle fait partie des chanceuses qui ont été capables de garder son nom. Parce que des fois, il faut que tu changes ton nom quand tu vas à WWE. Elle a gardé le même nom. Tout à fait, tout à fait. On a eu quelques retours aussi. On a eu, il s'agit de Trinity qui a fait son retour. On sait qu'elle est actuellement sous contrat avec la TNA, mais a pu ouvrir la porte interdite. Mais là, elle était en tant que Naomi. Là. Naomi, oui, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Vu que Trinity, c'est la TNA, là, c'est Naomi à WWE. Exact. Ils vont prendre le... Beaucoup de grosses surprises, d'ailleurs. La championne, la TNA Women's Knockout Champion. Jordynne Grace, Jordynne Grace, mesdames et messieurs, a fait son... Un arrivé au Royal Rumble féminin qui n'a pas passé inaperçu, honnêtement. Ça faisait spécial d'entendre les gens crier TNA dans la salle. On dirait à Strap NXT UK. Ah ouais, elle ressemble beaucoup. Tu sais, quand tu checkes de loin. Est arrivé gros changement de la part de Jordynne Grace. Je pense, tu sais, à l'époque, elle était beaucoup plus, excusez-moi l'expression, mais elle était un peu plus totoune. Plus boulette, hein. Ouais, c'est ça. Là, ouais, plus imposante, plus musclée. Elle s'est repris en main, puis... gros changement de physique, gros changement de carrière, comme on dit. Et puis, voilà. La plus impressionnante fut Bayley qui a battu le record. Elle est rentrée troisième pour éliminer Liv Morgan à la fin. Elle a resté 1h03. Wow! C'était marqué le temps exact. Là. Yes! Et puis, c'est le record féminin. Ça. À la grande surprise, Bayley a remporté le Royal Rumble 2024. T'en as pensé quoi, toi, de ça? Ben, c'est mérité, oui. Ouais, quand même, mais ben quand je parlais de ça avec les,
les personnes avec qui j'ai regardé le Royal Rumble, puis on se disait, tu sais, elle a tellement bûché, tu sais, elle était tout le temps là. Elle s'est blessée, elle est revenue, elle a tout le temps comme été... Personnage qui a évolué aussi. Oui, puis aussi, elle a grandement contribué aussi à la scène féminine. Oh, oui. Elle fait des très bons combats dans le passé. Là. Si aujourd'hui, il y a plus de lutte féminine, ça est en partie dans les raisons. C'était Becky Lynch, t'as Charlotte, je parle de Carlotte, Calotte, moi, Charlotte. Yes. Malheureusement, elle est malheureusement blessée. Non, pas Lolotte, là. Non. Qui était avec un cornet. Là. Non, pas elle, pas ce Lolotte là. Puis d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, chers amigos. Quoi, Lolotte est lesbienne? Mais non. Je te gaisse. Sasha Banks, c'est la seule qui n'a pas remporté le Royal Rumble parmi les Four Horsewomen. Parce qu'on se souvient là, que Becky Lynch l'a remporté une année. Bailey cette année. Charlotte l'a remporté aussi. Fait qu'il ouais. Y a juste. À ma grande surprise, d'ailleurs, elle n'était pas présente. Mercedes Moniz n'était pas présente lors de l'événement. Donc, c'est ça. Ils ont ouvert le Royal Rumble avec le Royal Rumble féminin. Ensuite, ça s'est poursuivi avec le combat. C'était le combat de mémoire. C'était le four-way ou bien? Oui, c'était le four-way. Oui, ouais, on s'est enligné vers le four-way. Excellent combat. Mais c'était prévisible. Beaucoup de rebondissements. Une fois de plus, Solo est venu faire une intervention. Solo, ouais, c'était combat. Assez... C'était un peu de la merde, là. J'étais un peu déçu de ça. Je m'attendais à ce que le titre change de main. J'avais en tête, j'avais parié sur AJ Styles ou Randy Orton et malheureusement, c'était tellement bien buildé qu'à un moment donné, je pensais même que LA Knight allait remporter le titre. Ça aurait été bon. Tellement que ça l'a. Mais en même temps, tu sais, faut pas oublier que LA Knight, il est encore jeune. Il est encore. Je veux pas dire qu'il y a des croûtes à manger, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, son temps viendra. Mais je pense qu'il y avait d'autres personnes dans le line-up. Il est encore jeune, il a 41 ans. Non, mais quand je parle de jeune, ouais, en fait d'expérience de WWE. En fait d'expérience à la WWE. Et puis, ben. Ouais, son temps va venir. Le chef tribal a. Une fois de plus, gardé son titre. Mais c'était assez prévisible parce qu'il ne peut pas perdre avant WrestleMania. Ouais. C'est un peu. C'est mon opinion, moi je la partage, on va dire. Yes! Par la suite, il y a eu le combat pour le titre US de la WWE qui mettait aux pauses le champion actuel, Paul London. Logan Paul! Logan Paul, t'as inversé, ça fait pas Logan, quoi, comme dans le domaine. Face à Kevin Owens. Ouais, le Québécois bien aimé. Kevin Owens qui a encore une fois livré la marchandise à un solide combat pour vrai. Ben Owen, c'est tout le temps bon. Là. Logan Paul en a pris pour son rhume. Là, il a eu des bons coups. Là, j'ai l'impression qu'il avait hâte en maudit que ça finisse à la veillée parce que je sais qu'Owen l'a maltraité. Là, il donnait des atténies tout le temps. Ouais, c'est, donné, là, ça avait l'air à rentrer au poste. Là, c'était un excellent combat. Ils ont essayé de briser les tables aussi. Ça marchait pas. Ouais, ça, faut que ça pète une table. Ça fait plus mal un petit peu. C'est ça. Par la suite, on a eu droit au combat, le combat royal, en fait, le combat principal qui m'a laissé un peu sur mon appétit, je dirais. Là, moi, je m'attendais à beaucoup plus de la part de. Mais c'est vrai que le Rumble féminin était dur à côté en sacrifice aussi. Là. Ouais. Il y a ça, là. Mais les deux Usos en premier, c'était pas plus. Ça fait penser à Demolition en 89, hein? Ouais. Axe and Smash, les deux premiers. Ben, c'est drôle que tu me dis ça parce que c'est exactement ça que j'ai dit à mon père. C'est vraiment ça m'a fait penser à ça, tu sais. Puis ça l'a mis aussi la table pour WrestleMania. Ah, oh, c'est clair, c'est écrit dans le ciel. Tu sais, je m'attends à ce que Jimmy puis Jay soient de la partie, là, un contre un, dans un single. Hey, t'imagines-tu même un single ladder match, même ces deux gars-là? Ça serait fou dans le mais la ladder match, qu'est-ce qu'il y aura en jeu dans une mallette, un contrat, pas une ceinture?
Ouais, un contrat pour un title shot. Ouais, mais il y a déjà le Money in the Bank pour ça. C'est... Non, mais ça peut être un. Je sais pas, man. Ouais, il faudrait que le titre change de main ou qu'il mette. Ouais. Ouais. Comme à TNA, ça peut être un X. C'est lui qui gagne le X. Ouais, je sais. Mais tu sais, ça peut être un bon match, ça peut être n'importe quoi, mais l'important, c'est que ça soit... TLC, un TLC, puis ou ramener la cage bleue, ça serait hot. Ouais, la cage bleue, la fameuse cage bleue. Mais ben, à un moment donné, t'es devenu noir dans leur attitude. Ouais, ouais, ça serait hot. Ils ont aussi ouvert la porte à l'éventualité Jake Cargill et Bianca Belair qui pourraient vraiment faire un bon combo parce qu'à un moment donné, les deux étaient face à face, puis ça donnait quelque chose d'intéressant. À ma grande déception, Gunther a été éliminé quand même rapidement. Okay, ben, ouais. Rapidement, comme en milieu de. Non, je comprends, il était. J'étais pas dans le corridor aussi. Il faisait partie de mes plans, puis finalement, j'étais un peu déçu de ce côté-là. Sinon. The Rock n'était pas dans le robot, ça a déçu bien des gens. D'ailleurs, ouais. j'ai fait un sondage sur X, là, ben, anciennement Twitter. Mm-hmm. Il y en a une couple qui. Il y en a qui s'en foutent. Ben moi, personnellement, je m'en fous de The Rock. Ben moi, ça vrai, parce ça, que, tu sais, quand tu penses à ça, là, c'est un businessman. Là, puis, tu sais, on... Il a été nominé à TKO. On a rencontré certaines personnes, on s'est rendu compte des choses à l'interne, puis tout ça, tu sais. Puis, je n'aimerais pas personne, mais cette personne-là en question nous avait dit, à propos de The Rock, dès que The Rock sort, quelque part, sort ton argent. Ben, j'imagine. Fait que, tu sais, là, ils ont donné un contrat... Il est rendu président de TKO. Exécutif, je ne sais pas trop. Exécutif de je ne sais pas. Bon, ben, il y a un salaire là. C'est sûr qu'ils n'iront pas lui donner un autre salaire de buteur. Hein. En plus, qu'il fait des films. À un moment donné. Puis en plus, qu'il est porte-parole de Under Armour. Puis en plus, que tu sais, à un moment donné. Il était pas. Il partait pas la nouvelle XFL à un moment donné. Il y avait des parts là. Ouais, c'est ça. En plus de tout ça. Ça va-tu se faire ou c'est aboli la XFL? J'ai aucune idée. Ça, on va vous en revenir. Ouais, ça serait intéressant de parler de l'historique de la XFL. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à parler pour les. Toi qui aimes bien le football, là, ouais, tu pourrais. Justement, un peu là-dedans. Parlant de football, il va y avoir une belle finale dans 15 jours. Yes, c'est les Chiefs. Les Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco. Moi, je vois que San Francisco. Là. Yes. D'habitude, je parle pour le club de la nationale, normalement. Là. OK. Nice. Ça va se faire à quel endroit? C'est supposé se faire à Las Vegas dans 2 semaines. Nice. Au quel stade? Je suis pas sûr. Le stade des Raiders okay. À Las Vegas. Je ne me souviens pas le nom, là. OK, nice. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Habituellement, je suis juste les finales, mais bon, Ben, je sais qu'il suit ça pas mal à côté hockey, baseball. Moi puis mon frère, on aime ça gager en chum in main. Ben oui. Et puis le gagnant du Battle Royale 2024. Cody Rhodes The American Nightmare pour une deuxième année consécutive. T'en as pensé quoi de ça, toi, mon ami? Ben là, moi, j'ai pour moi dire, là, c'est sa chance. Là. Ouais, tu penses? S'il le bat pas cette année, il le battra jamais. Ouais, puis en même temps, il s'est ramassé, à faire partie des élites dont. Le grand Stone Cold Steve Austin qui a remporté le Royal Rumble à 3 reprises. Il y a eu aussi Shawn Michaels à 2 reprises. Ce qui montrait ces réseaux sociaux, c'est ceux-là qui ont remporté 2 Rumbles consécutifs. C'est ça. T'as Hogan 90-91, t'as ouais. Shawn Michaels 95-96, Austin 97-98, plus 2001, puis Cody Rhodes ben, 2023-2027. C'est ça, exact. Exact, puis... Fait que là, on s'attend à ce que Cody Rhodes devrait faire partie de la grande finale de la première journée ou de la deuxième journée. Bon, ça va être la deuxième, je pourrais le sortir. Tu penses? Mais tu sais, oui, ça, c'est sûr à 100% qu'il va choisir de pogner Roman Reigns, mais il pourrait, ça serait bon s'il pognait, ça n'arrivera pas, mais s'il pognait Seth Rollins pour l'avoir les viewers, parce que Dieu sait qu'il a fait des excellents combats avec en 2022. Ben honnêtement, je crois quasiment que ça serait mieux, ça. Ouais, mais là, faut qu'il prenne sa revanche. Faut qu'il prenne sa revanche sur Roman Reigns. Là. Oui, Seth Rollins, ça serait bon, mais. Ouais. Mais il a déjà battu Seth Rollins, là, faut qu'il batte Roman Reigns. C'est la marche qui manque là, pour vraiment atteindre le sommet. C'est ça. Qui mérite. Parce que c'est mérité, Cody Rhodes. Il est tellement abûché. Tout à fait. Il n'est pas juste là parce que c'est un fils à papa, là. Ben non, il a bûché pendant des années. Exact. Tu sais, il est parti genre en 2016.
est revenu 3-4. Il a eu la All Elite Wrestling, il a fait de l'indépendant. Il est revenu, il a buildé son personnage comme faux, American Nightmare. Là, ouais, c'est... Il a lâché Stardust. Ouais, mais quoi que Stardust, j'aimais bien ça. Ouais, mais c'était, il était très dans l'ombre de Goldust, oh, oui, de son frère, qui d'ailleurs a pris comme une semi-retraite un peu. Ouais, moi, tant que moi, c'est un, comme ils disent sur Internet, catcheur occasionnel. Ouais, c'est ça. Ça. Et puis, ben en gros, ça ressemble à ça. CM Punk a malheureusement pas gagné le combat royal, mais en même temps, je me dis que, tu sais, le fait qu'il ait fait son retour après 10 ans d'absence, parce que de mémoire, ouais, je pense que son dernier combat était aussi dans un Royal Rumble, exactement, c'est ça. Hein? Et puis, ben, il n'a pas passé inaperçu, mais il n'a pas gagné, puis je pense que c'est une bonne chose aussi pour ne pas semer la controverse que CM Punk. Oui, il vient de revenir avec les gants. Ouais. Exact. Veux-tu qu'on parle aussi de la, en parlant de controverse, de la fameuse controverse là, qui circule en ce moment sur les médias sociaux là, en lien au scandale, un autre scandale de M. Vince Kennedy McMahon. Oui, il est encore. Probablement, là, c'est des allégations, mais probablement que ça va aller en procès et qu'il va être accusé de. Ouais, j'imagine. De pognage de cul en bon québécois. Excusez-moi l'expression, mais c'est sûr. Yes. D'ailleurs, Sid Vicious s'en. C'est quoi le rapport avec Sid Vicious? Se gâte les. Ah, ok, je pensais que c'était Sid Vicious était impliqué. T'as beau pas peur. Surtout de ce temps-ci, Sid Vicious, il se gâte pas mal ses médias sociaux. Il avait marqué The favorite color of Brock Lesnar is yellow. J'avais trouvé ça très drôle. Là. Mais en même temps, c'est particulier. D'ailleurs, Brock Lesnar a. Et fait partie un petit peu de cette fameuse histoire-là aussi. Là. John Laurinaitis et tout. Ça impliquerait John Laurinaitis et tout. Le gars des Hello, lui? Non, son frère. John Laurinaitis. Ok, oui, ok. Là, pas là, Joseph, là, John. Ok. Non, ça, j'avais pas lu. Là, je suis pas fier de ce que je vais dire parce que je t'en ai parlé tantôt. On sait tous qu'il est coupable, McMahon, ça va en procès. Mais là, s'il y a l'avocat Kyo, quand c'était l'affaire des stéroïdes, là, cet avocat-là n'a jamais perdu une cause. Fait que c'est sûr qu'il va être non coupable. Mais on sait tous qu'il est coupable. Ouais, comprenez-moi bien. Là, en aucun cas, le Wrestle Rock Podcast n'approuve le comportement de Vince McMahon. Ah non, c'est mais, ça. Mais malheureusement, probablement qu'il va s'en sortir. Là. Ouais, on s'attend qu'il va. Mais on sait qu'il est coupable. Mais c'est ça, il n'est pas blanc comme neige, le petit McMahon. Tu sais, puis je m'attends aussi à ce qu'il y ait d'autres choses qui sortent. Tu sais. T'sais, ça me surprend même que Sable n'a pas fait une apparition, n'a pas sorti publiquement. T'sais, elle sort quand même avec Brock Lesnar. Ouais. Je comprends pas cette histoire-là. En tout cas, j'imagine que ça a été fait avant ou je sais pas. Tu sais, c'est un beau hasard qu'on ait pensé à ça tous les deux. On a écrit à Rita Chatterton, la fameuse arbitre qui accusait McMahon dans le temps de l'avoir violée dans la limousine. Mais malheureusement, elle n'a pas voulu... Merci d'avoir pensé à moi, mais je suis pas intéressé, puis je la comprends. Elle doit être tannée de se faire écœurer avec ça. Certain, fait que, tu sais, puis là, c'est une autre personne. Ça me fait penser un petit peu au scandale de Marilyn Manson qu'on a parlé. D'ailleurs, que c'est pas fini encore, cette histoire-là. Ouais, des fois, c'est long. La justice aux États, ça peut être long. Ben, ouais, son procès de Mike Ward puis Jérémy Gabriel, là, ça a pris une grosse vedette des années, tu sais, fait que j'imagine que ça c'est pas terminé. OJ Simpson tout ça avait été long. D'ailleurs, on parlait de Brock Lesnar, il a été remplacé par Bron Breakker. Ah ben oui, c'est ça, le fils de Rick. La légende de Rick Steiner qui faisait partie des Steiner Brothers avec Scott Steiner, Big Papa Pump. D'ailleurs, j'ai vu une photo de rumeur, une photo hypothétique. Bron Breakker, ça serait un bon candidat pour l'Intercontinental. Oui, puis il ferait vraiment un bon lutteur dans le main roster de la WWE. Ouais. Il a fait ses preuves, mérite honnêtement. Il a du bon bagage. Beaucoup plus que certains là, qui sont en ce moment là, dans le... Moi, j'appelle ça des... Je ne dirais pas comment j'appelle ça. Dis-le, des gros sportements qui jouent au PlayStation. Il y en a une game que c'est des poussées de crottes. Là. Il y en a plusieurs, ça fait pitié. Là. Je disais ça avec la gang en fin de semaine, mais on se disait, bon, OK, lui, il s'en va dans la douche. À flancer, tu sais. Il y en a une gang. Je pense au gars là, qui est tout le temps avec... moi, Austin Theory, je ne suis pas capable. Moi, ça me met un votant dans la douche. Un autre, le gars qui est avec, là, ça aussi, ça me met un. Là. Ça me met un qui va chercher les savons, là. Lui, après ça, il y a le gars qui est avec Gunther. Là. Ça, c'est un autre. Il y en a plein du monde de même. Là, que, moi, j'ai,
je suis pas capable. Ouais, Kaiser, qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Kaiser. Comme les pognes, là. Pas Kaiser. Ouais, mais, tu sais, un gars comme Bron Breakker qui a de l'énergie. Tu mets de la mayonnaise. Ouais, Bron Breakker, oui. C'est d'autres sortes de mayonnaise et d'autres sortes de mayonnaise. Probablement. Mais pour revenir à Bron Breakker, il mériterait là, de. Tout à fait, tout à fait. Et puis, qui qu'il y a eu d'autres aussi dans le Royal Rumble là, que je me souviens rapidement? Ah, ben, il y a eu le retour de Andrade qui a fait qui a fait plaisir aux fans. Là. Les gens étaient vraiment contents de le voir. D'ailleurs, backstage, on a pu voir aussi Charlotte Flair qui était présente. Malgré qu'elle est blessée, elle était présente à l'arrière. On l'a vu huiler son poulain, comme on dit. Et puis. Je pensais qu'elle suivait d'autres choses. Elle suit la vie, ça, vas-y. Non, non, mais. Ok. Pas suivi la vie. Franchement. Non. Ensuite de ça, ben c'est ça, dans le fond, Bayley va affronter Rhea Ripley lors de WrestleMania. Ah oui, j'oubliais, puis je veux pas l'oublier, mais je trouve qu'elle a passé vraiment inaperçue sur les médias sociaux. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Il y a eu le retour de Liv Morgan aussi lors du Royal Rumble féminin. Elle, je la huilerais. Oui, dans tous les sens du terme. Elle, d'ailleurs, qui était aussi prise dans un scandale où elle avait été avec la possession de drogue. On en a parlé il y a quelques semaines de ça. Pour croire que là, elle s'en est bien sortie. Yes. J'imagine qu'elle avait le même avocat que Vince McMahon. Peut-être. À part ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre des nouvelles là, récentes dans le milieu de la lutte professionnelle? Est-ce que tu veux qu'on parle de d'autres choses, mon ami Ben? Ben là, il faut savoir que dans 3-4 semaines, là, ça va être Elimination Chamber à Perth en Australie. Là. Yes! Et puis, il va y avoir aussi un événement en France là, prochainement qui va s'appeler Backlash. Backlash va être en France. Ouais. Yes. En fait, il y a SmackDown, c'est un programme double. Donc, il y a SmackDown et Backlash qui va se. C'est à Lyon en France. Les billets, ça a l'air qu'ils ne sont pas donnés. C'est ce que nos auditeurs nous disaient. Là, c'est des billets vraiment très chers. En plus, c'est en euros. Fait qu'imagine. Lyon en France, il n'y a rien à voir avec Petit Lyon. Tu sais, le dessin animé. Là. Non, puis c'est pas les Lions de Denver là, non plus. Là. Les Lions de Denver. Ça existe pas. C'est les Lions de Détroit. Ah non, c'est correct. Ensuite de ça, je rappelle à tout le monde que la AEW vient le 27 mars prochain au Centre Vidéotron pour le programme double mettant en vedette Dynamite. Les vedettes de Dynamite et les vedettes de Rampage s'affronteront ce soir-là. Puis j'imagine que si on est chanceux, il va y avoir aussi des combats du Ring of Honor, j'imagine. Il y a une affaire qu'on comprend pas, moi, puis toi, c'est que on l'a pas partagé, mais on l'a mis sur YouTube seulement. Notre fameuse entrevue controversée avec Rip Rogers. Yes! Je comprends pas pourquoi il y a autant de views, là. Ben d'ailleurs, on vous invite à visiter notre YouTube channel, Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous! Juste ici en dessous, vous voyez YouTube Wrestling. Vous tapez dans le moteur de recherche WrestleRock Podcast et puis vous allez abonnez-vous, vous allez avoir du contenu exclusif, du contenu inédit, des bloopers, des vidéos de spectacles. C'est une entrevue controversée. Yes. Puis c'est ça. Sinon, en gros. Y avait-tu autre chose, mon ami, que tu voulais parler? Là, on a parlé de Tom Selleck, de Rip Rogers, du Rumble. Non, on vit de même. Ça m'a ça pas mal, hein, mon bout. Vince McMahon qui est accusé de ses petites faiblesses. Brock Lesnar aussi. Est-ce que tu penses que Stephanie McMahon pourrait faire un retour à la WWE? Ouais, ça pourrait. Suite aux allégations de Vince McMahon qui a quitté le bateau. Qui a quitté le bateau, ouais, c'est ça. Ça se peut très bien. Y a-t-il un requin qui va le manger? Je ne sais pas du tout. Non, non, mais peut-être Stéphanie, ouais, ce ne serait pas pire. Ben, pourquoi pas. Peut-être Shane aussi. À ma grande surprise, Hulk Hogan n'a pas fait partie du Royal Rumble. Non. Ils ont teasé ça en fou parce que c'était genre à Clearwater en Floride. Ouais. Il a même d'ailleurs fait l'intro de l'événement du Royal Rumble. Tout le monde s'attendait à ce qu'au moins il soit là à titre de président d'honneur ou je ne sais pas comme quoi. Il avait fait dans le temps de il avait fait ça à WrestleMania un an. Ouais, avec Titus O'Neil. Même pas une promo.
Même pas là. Zéro fuck all. Ça va aller à Mania, dans le fond. Je sais pas trop, mais tu sais. J'ai l'impression que c'est une pause de cash aussi. On se souvient que Clearwater, Floride, c'est la place de Hogan. Puis il y a son magasin, le Hogan's Beach Shop. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient été au Hogan's Beach Shop. J'ai vu qu'il y avait des gens avec des chandails du Hogan's Beach Shop au Royal Rumble. Fait que j'imagine que les gens ont été là. Bon, donc, ben en gros, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de sérénité avec Benoît Lafayette, a.k.a. Nostradaben, et Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D, du Wrestle Rock Podcast Season 5, saison 5. Spécial alors, Royal Rumble et... controverse, on va dire. Oui, oui, oui. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir.